Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des puissances de 10 à partir d'une petite activité. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Premièrement, on nous dit recopier puis compléter les expressions suivantes. Et on a 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 3. Et donc on nous demande de décomposer en multipliant tous les 10 jusqu'à ce que l'on obtienne finalement le résultat que l'on souhaite. Donc, au début, on voit bien que 10 puissance 2, ça fait 10 fois 10. Et 10 puissance 3, ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc, 3 fois 10. 10 fois 10 fois 10. Donc, il nous reste plus qu'à compter le nombre de 10 qui sont multipliés entre eux, et ça va nous donner la puissance finale. Donc, ça donne 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. On a 1, 2, 3, 4, et 5-10, donc on a 10 puissance 5. Même chose pour la deuxième partie, on a 10 puissance 5 multiplié par 10 puissance 4, donc on a 5-10, 10 fois 10, et ensuite on a 4-10, ce qui devrait nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au final, on a 10 puissance 9. Vous voyez, la puissance, ça indique le nombre de fois qu'un nombre est multiplié par lui-même. faut bien faire attention, c'est bien multiplié, hein, ce n'est pas une addition. Si on avait 10 plus 10 plus 10 plus 10, ce ne serait pas du tout égal à 10 puissance 9. Et qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux cas Eh bien, on remarque que dans le premier cas, 10 puissance 2 par 10 puissance 3. Ça nous donne 10 puissance 5. Donc qu'est-ce qu'on a fait En réalité, on a additionné les puissances. On avait 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 3. Et bien quand on a une multiplication entre deux puissances, on n'a qu'à additionner les exposants. Ici, 2 plus 3, ça nous fait bien 5, et donc on a bien 10 puissance 5. Donc on va appliquer cette logique au petit b et on va voir ce que ça donne. Alors on va supprimer ça pour se laisser un petit peu de place. Voilà, et on passe au B. Donc le B, on a 10 puissance 5 par 10 puissance 8. Donc on additionne les puissances entre elles. Ça nous donne 5 plus 8, ce qui fait bien 10 puissance 13. Ensuite, on a 10 puissance 7 multiplié par 10 puissance moins 6. Donc là, il faut faire attention, c'est plus un nombre positif, c'est une puissance qui est négative. Mais c'est toujours la même logique, on additionne les deux nombres entre eux, ça nous donne 7 plus entre parenthèses moins 6, 7 moins 6 ça fait 1, donc on a 10 puissance 1, et 10 puissance 1 en réalité c'est simplement 10. Donc on a 10. Et du coup on peut généraliser, c'est ce que l'on nous demande dans le petit c, compléter alors la formule pour tous les nombres entiers n et p, 10 puissance n multiplié par 10 puissance p, c'est égal à, et comme on l'a vu, on additionne les deux nombres, donc c'est égal à 10 puissance n plus p. Vous voyez les, les n et les p qui étaient en exposant, et bien on les additionne entre eux, et ça nous donne l'exposant final, la puissance finale. Donc ça c'était le petit c. On va descendre un peu et passer au petit 2. Le petit 2, on nous dit, en s'inspirant de la question 1, décomposer 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 2, puis simplifier cette fraction en donnant le résultat sous la forme d'une puissance de 10. Alors, ce que l'on va faire, c'est donc on va décomposer au maximum, on va avoir 10 par 10 par 10 par 10. On a bien multiplié 10 5 fois par lui-même, et on va diviser par 10 puissance 2, c'est-à-dire 10 multiplié 2 fois par lui-même. 10 fois 10. Et qu'est-ce qu'on remarque? Et ben, on remarque qu'on qu peut simplifier certains 10 entre eux. On peut simplifier un 10, on peut simplifier un autre 10, et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste que 3 10. Et donc 3 10 c'est égal à 10 puissance 3. On fait la même chose avec le petit b. On a 10 puissance 7 et 10 puissance moins 5. Donc on va se laisser pas mal de place. On fait 7 10, 10 fois 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il nous en manque un. Et cette fois-ci, on divise par 10 puissance moins 5. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne 10 puissance moins 5 lorsque l'on le décompose Eh bien c'est simplement que le nombre a son exposant dans le dénominateur. Concrètement, qu'est-ce que ça donne avec 10 Eh bien ça donne 1 divisé par 10 multiplié par 1 divisé par 10, et ça 5 fois. Et là concrètement, en fait, c'est assez simple de, de changer cette fraction qui est un petit peu difficile à comprendre, puisque lorsque l'on divise par une division, en réalité c'est comme si on multipliait par le dénominateur. Donc plutôt que de diviser par 1 divisé par 10, on va multiplier par tous les 10 qui sont dans le dénominateur. Donc on passe tous ces 10 du côté du numérateur, et on voit qu'aux 7 10 initiaux, eh bien on en rajoute 5. Donc on va avoir 10 par 10 par 10 12 fois. Donc 12 fois, on a 10 puissance 12. Donc ça, c'était le premier exemple. Ensuite, on a 10 puissance 3 divisé par 10 puissance 2. Donc ici, c'est plus simple. On applique la logique du petit a. Ça nous donne 10 fois 10 fois 10, fois 10 3 fois 10, et 10 fois 10. Fois 10. On voit qu'on peut simplifier de 10, il y a 2 10 qui sont superflus, donc au final on se retrouve avec 10 puissance 1 ou alors tout simplement 10. Et comme pour le premier exercice, on nous demande de, former une, de formuler une formule pour trouver un cas général, et donc pour tous les nombres entiers n et p, 10 puissance n divisé par 10 puissance p, on a 10, et comme on l'a vu, en réalité ce que l'on a fait c'est que qu'on a soustrait n à p. Donc lorsque l'on a 10 puissance n divisé par 10 puissance p, pour faire le calcul, on a juste à faire 10 puissance n moins p. Donc, vous voyez, vos deux exposants, plutôt que de les additionner comme dans le cas d'une multiplication, ici vous faites une soustraction. Donc ça c'était pour le petit 2. On va supprimer un peu pour se laisser plus de place et on va passer au 3. Voilà. Et le 3, on nous demande, comptez le nombre de facteurs 10 contenus dans l'écriture décomposée de, entre parenthèses, 10 puissance 2, fermez la parenthèse, puissance 3. Alors ici, il faut bien faire attention, on n'a pas simplement 10 puissance 2, et on ajoute 10 puissance 3. C'est pas comme dans notre premier exercice, on va pas pouvoir faire simplement 2 plus 3 et avoir 10 puissance 5. Puisque, en réalité, ce dont il est question, c'est qu'on a 10 fois 10. Ici, c'est notre 10 puissance 2. Donc, 10 puissance 2. Et ce 10 puissance 2, on le répète 3 fois. Donc en fait, on a 10 fois 10 par 10 fois 10 par 10 fois 10. Vous voyez ici, c'est pas le 10 qui est répété, c'est tout ce qu'il y a entre la parenthèse, c'est-à-dire 10 fois 10. Et à partir de ça, par contre, on peut faire notre méthode initiale. On compte nos 10, on en a 1, 2, 3, 4. 5 et 6, donc on a 10 puissance 6. Mais vous voyez, il faut bien faire attention, ici si on n'a pas fait euh, n plus p, on n'a pas additionné nos deux exposants. Donc juste pour confirmer notre méthode, on va faire le petit b. Combien de facteurs on a dans 10 puissance 3 par un exposant 5 On va faire 10 fois 10 fois 10. Ici, c'est notre 10 puissance 3. Et ça, on va le faire 5 fois. Donc, je ne vais pas le écrire 5 fois parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais vous voyez l'idée. 10 x 10 x 10. Ça, on l'a fait 5 fois. Et donc, au final, combien on va avoir de 10 Eh bien, on va avoir 3 10 5 fois. Et 3 fois 5, ça nous donne bien donc 15. Dernier exemple, on a. Et on va se laisser un petit peu de place. Donc on va supprimer ce qu'il y a en haut à droite. Et on va prendre du vert. Donc on a 10 puissance 5 par puissance 8. Ça nous donne 10 fois 10 fois 10 fois 10. Fois 10 et fois 10. Ça, on le fait 8 fois. Et donc on a 5 fois 10. Répéter 8 fois, ce qui nous donne 8 fois 5, et 8 fois 5, ça fait 40, donc on a 10 puissance 40, ce qui est un nombre vraiment immense. Donc pour généraliser, pour tout nombre entier n et p, 10n par, entre, fermez la parenthèse, p, et eh bien ce que l'on a fait, c'est qu'on a multiplié les puissances entre elles, ça nous a donné 10n fois p. Donc vous voyez, on a trois formules maintenant. Si simplement on multiplie des puissances entre elles, alors on additionne les exposants. Si on divise des puissances entre elles, eh bien on soustrait les exposants. Et finalement, si on met une puissance par une autre puissance, eh bien on doit multiplier les exposants entre eux. Donc, dernière question. Les formules obtenues dans les questions précédentes sont-elles encore valables pour des puissances autres que 10 Et la réponse c'est oui. Même si c'était des puissances autres que 10, par exemple 15, 20, 30, 2, ou je ne sais quoi, ça marcherait quand même. Donc vous pouvez très bien avoir, par exemple, 2 puissance 2 multiplié par 2 puissance 4. Eh bien, vous pouvez additionner les deux, vous pouvez faire 2 plus 4, et ça vous donne 2 puissance 6. Ce qu'il faut bien faire attention par contre, c'est que les deux puissances soient identiques. Vous ne pouvez pas faire ça si par exemple vous avez 2 puissance 2 multiplié par 10 puissance 4. Il faut que les deux puissances, ici, elles soient égales. Donc voilà, on en a terminé, j'espère que ça aura pu vous aider, euh, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.